Les amis, bonjour à tous J'espère que vous allez bien. C'est les débriefs de monsieur AB Aujourd'hui, on se retrouve pour le débriefing entre Valence et le Real Madrid en Liga. Vous êtes prêts alors Bah, c'est parti, l'ami. Mais avant de commencer, minute, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne pas avoir de Il faut que vous n'ayez aucun live. Ça plaisir et mettez le petit pouce de pour ce match complètement fou. Mais les amis, jusqu'au bout du suspense jusqu'à cette fin de match mouvementé, les amis, c'est quoi ce match de fou De partout, deux équipes complètement fous. Je vous dis déjà deux équipes concernant le titre en concurrence vers le titre Oh là 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 Et ce soir peut-être le Real Madrid s'est fait voler les ce soir Parce que moi pour moi j'ai vu le match en fin de match Il devait avoir le but l'ami, devait avoir le but Du Real Madrid Il devait avoir 2-3 Mais l'arbitre a sifflé A sifflé avant que le but rentre L'ami c'est complètement fou Et les gens j'ai vu sur les réseaux sociaux Dès la fin du match les gens disent que c'est du vol, du vol, du vol, du vol C'est vrai que j'aurais été supporter euh, du Real Madrid J'aurais pété un cas j'aurais cassé le télé tellement que je vous dis déjà ce but aurait été validé. Après il y a des gens ils vont dire "Ouais mais tu sais euh, quand on a vu le match avec Valence aussi avait eu des euh, avait, devait avoir un but mais il a été refusé et voilà. Il y a des... Je sais en général mais c'était quoi ce match contre vous Un match complètement dingue. Oh là là, Deux partout, je vous dis déjà quel match spécial On pas mentir. Quel match spécial en pas mentir et je vous dis déjà en fin de match, je vous dis déjà beaucoup de gens ce qui disent que beaucoup de supporters Madrid disent que c'est scandaleux à la fin du match parce que la fin du match, c'était tendu à la fin du match, il y avait avoir une bagarre, une fin de match mouvementée à la fin du match. Je je pensais, moi Je pensais qu'elle un but Je me dis, waouh, wow, il, il y a but. Mais en fait, non, il n'y a pas eu but. Et je trouve ça, voilà, waouh, c'est complètement fou. Je vous dis déjà, grosse force à mes, à, mes support, à mes abonnés qui supportent le Real Madrid. Grosse force à vous. Vous êtes le boss. Mais parce que je vous dis, ça doit être chaud de ce but. Parce que je vous dis, en fin de match, il y a eu des cartons. Je crois que il y a des joueurs qui ont eu des cartons, cartons rouges, je crois, pour contestation. C'était complètement fou. Je vous dis déjà, les amis. Et beaucoup de gens disent que c'est honteux le but annulé avant la fin. je vous dis, avant la fin de ce match. Parce que je vous dis déjà, l'arbitre a sifflé. Et le but, et voilà. Moi, je vous dis, je vais mentir, je suis arbitre, je vais mentir. J'aurais à j'aurais laissé la fin de l'action Il y avait un corner ainsi le but Et non voilà Il n'y a, a pas eu but Et sincèrement c'est scandaleux Mais voilà une petite parenthèse Voilà dans ce scandale c'est scandaleux le fin de match Complètement fou je vous dis déjà Et complètement What the cut On va faire les statistiques de ce match avec donc les buts de ce match avec donc les deux buts du côté de Valence avec Duro à la 27e minute de jeu et euh, Leremchuk à la 30e minute de jeu du côté de Valence. Et du côté du Real Madrid, le meilleur joueur, bien sûr, le meilleur joueur du Real Madrid, le Brésilien Vinicius Junior à la 45e minute de jeu plus 5 dans le temps de signal de cette première minute et à la 76e minute de jeu le doublé de Vinicius. revoilà lui, quel match spécial de ce joueur, il a été toujours là. Masterclass ce soir de Vinicius, toujours présent ce soir. Du Real Madrid était présent ce soir, c'était spécial. Hein Quand je vois ce match en général, si on devait vraiment se contenter de la fin du match, qui est voilà, je vous dis, le match était très bien en général. C'est vrai que le Real Madrid avait du mal en début. Voilà, il perdait 2-0 après 3 minutes et le Real Madrid ah, euh, euh, reprend les relais et reprend du vent avec ses deux buts. Ils remettent en fin de premier temps et à la 76 minute de jeu. Et moi, pour moi, le Real Madrid, je vais le dire encore une fois, devait gagner ce match et le but devait être valable selon moi. Je vous dis déjà, je sais que certains, je sais que si je perds, certains supporters barcelonais ou voilà, euh, disent euh, ils méritent pas mais je vous dis dans le quand je vois le chat et dans les commentaires et je vous dis déjà quand je vois sur les twitters sur les réseaux sociaux beaucoup de gens disent que euh, ce but devait être valable bois la nuit on va faire les statistiques Match donc 12 tirs pour Valence, 10 pour le Real Madrid, 5 tirs cadrés pour les deux équipes, euh, 29% de possession pour Valence, 71 pour le Real Madrid deux corners euh, deux cartons jaunes pour Valence 3 pour euh, le Real Madrid 0-0 carton rouge mais je crois qu'il va avoir des cartons rouges à la fin de match mais non pas temps, mais je crois qu'il y aura des cartons rouges euh, pour les équipes je vous dis déjà zéro hors-jeu pour euh, Valence 2 pour le Real Madrid et enfin deux corners partout pour les deux équipes, mais je vous dis déjà au classement c'est spécial, je vous dis déjà au classement le classement est fou, je vous dis déjà est resserré dans la course au titre le Real Madrid, mais que je vous dis déjà euh, ils ont 5 points d'avance à le Real Madrid sur Jérôme et euh, ils ont aussi 9 points euh, ne, ils ont 9 points de plus le Real Madrid sur Barcelone et Barcelone joue demain en plus. Euh, je vous dis déjà donc Barcelone joue demain face à l'Atlético Bilbao. Je vous dis déjà. Je vous dis déjà la course est lancée et euh, il y a aussi euh, Giron qui joue aussi euh, demain aussi euh, face à euh, mallorca. l'ami. Je vous dis c'est à vous. Mais c'était un match complètement dingue et l'équipe était là. Je vous dis déjà et j'espère je vous dis déjà que cette équipe de Real Madrid se réveillera et va peut-être pourquoi pas contester ce but et pourquoi pas accepter la victoire des trois points au lieu de un point. Voilà, ça vidéo, j'espère qu'elle vous en a non plus. N'hésitez pas à ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Supporter du Real Madrid, pour vous, est-ce que ce but était valable? Alors, oui, vous allez, vous allez, dire oui parce que vous êtes supporter du Real Madrid. Mais pour les autres, est-ce que ce but pour vous était valable? Selon vous, devait-il être accepté? Dites-moi dans les commentaires, mettez le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche des notifications et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était les dérives de Monsieur Bepo. double champ. Et aussi, le supporter de, de Valence, moi, ce que vous avez pensé de ce match. Allez, tous. Et pas la Liga.